Sans dire un mot, les spectateurs suivent des yeux les trapézistes qui volent au-dessus de la piste, balayés par les projecteurs. Et devant l'entrée des artistes, à côté de Monsieur Loyal, se tient le clown à l'air jovial, qui sait dérider les plus tristes. Les acrobates ont terminé, la foule applaudit bruyamment, et les musiciens chamarrés exécutent un air entraînant. Attention, le décor va changer, et v'là le clown qui fait son entrée. D'abord trois pas, une pirouette, la tête en bas, comment que ça va? Et en se dandinant, il s'en va d'un air nonchalant, en marchant sur ses deux mains, les yeux malins. Il a de grands souliers, un pantalon qui fait des plis comme un vieil accordéon. Et puis d'un bond, il se relève et il salue sous sa perruque, son crâne est nu. On l'applaudit et il s'en va. Avant d'être clou, l'était heureux, c'était un drôle de trapéziste. Avec sa femme sur toutes les pistes, ils faisaient leur boulot merveilleux. Et puis un soir c'est arrivé, un soir que ses nerfs l'avaient lâché, sa femme venait de s'élancer, il n'a pas pu la rattraper. Mais le cirque, quand ça vous tient là, on y reste en changeant d'emploi. Trapéziste, clown, et puis gardien des éléphants et même des chiens. À la sortie, les enfants rient en l'attendant, tandis que lui, pour qui ne voit pas sa pauvre tête, c'est en cachette qu'à petits pas il sort en se faufilant et s'en va laissant aux enfants et aux grands leurs illusions. Mais chaque soir, quand le spectacle est fini, il vient revivre un peu sa vie sous le trapèze qui pend tranquillement. Et quelquefois, quand on lui dit « Vous devez être un drôle dans la vie », il répond « Oui ». Quelle drôle de vie !